Du côté de l'Union africaine, l'ambassadeur de cette institution continentale à Kinshasa soutient qu'il est nécessaire de promouvoir la paix en République démocratique du Congo. L'association des églises africaines avec ses représentants m'ont rendu cette visite de courtoisie pour un peu échanger avec moi sur la situation politique. L'objectif qu'ils poursuivent, c'est également l'objectif que poursuit l'Union africaine ici, le respect plein et entier de l'accord du 31 décembre. L'objectif principal des deux accords, c'est aller vers les élections. Ne perdons pas de temps, allons vers les élections. La CETA, un peu avant ses rencontres, a été reçue par le chef des confessions religieuses.